suis au club ici depuis une dizaine d'années. J'ai eu une équipe de juniors depuis Junior F. Je les ai suivis jusqu'en A, tout en étant assistant la saison passée de Luc Floquet. Et puis depuis cette saison, j'ai repris la seconde équipe, tout en donnant de temps en temps un coup de main à Luc pour cette première. Voilà, jour Ige, hein, contre une équipe de Challenge League. Là, comment ça s'est passé là, cette semaine de préparation? Alors bien sûr qu'on a orienté l'entraînement par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. On sait très bien qu'on a à faire un gros défi, notamment au niveau physique, au niveau technique. Je crois que Luc a bien préparé ça. Les joueurs sont prêts, sont impatients d'en découdre. Ils savent aussi que c'est une chance pour eux de se mesurer pour une fois au monde professionnel. Et puis on a tous hâte d'y être et puis de voir comment ça va se passer. Vous l'avez dit très justement, c'est une fête, ça doit être une fête pour la région, pour le club. Quand même, c'est un événement de jouer en 16e de finale de Coupe Suisse. Il y a deux ans en arrière, si on nous avait dit ça, on ne l'aurait probablement pas cru, mais c'est fait. Donc il faut prendre ça comme une fête et puis après essayer de faire un bon match, un match sérieux. Sait-on jamais, la qualification peut être possible, même si les chances, il faut l'admettre, sont très faibles. Maintenant, on sait, vous êtes quand même l'instigateur du renouveau ici au Val-de-Travers, parce qu'il fallait quelque chose qui se passe ici au Val-de-Travers. Alors oui, moi à l'époque, c'est le président Benjamin Yagi qui m'a convaincu. Son enthousiasme, il me l'a communiqué et puis il voulait faire quelque chose de bien. Puis je crois que ça a été fait avec la promotion en deuxième ligue, la victoire en Coupe Neuchâteloise, deux finales de suite en Coupe Neuchâteloise dont une gagnée. Et puis aujourd'hui maintenant la Coupe Suisse après avoir éliminé Nido. Donc je trouve que c'est un très joli parcours, on peut en être fier. On espère dépasser environ les 1000 personnes. On est à 980 lors du dernier match ici. Et puis c'est mon ami Benjamin Yagi, le président ici. Et puis par amitié, je vais animer les rencontres quand il s'agit d'événements très spéciaux comme ce 16e de finale de la Coupe de Suisse. Oh, vous avez pas mal de temps en Colombier, à Neuchâtel-Zamax, maintenant à Fleurier. Vous allez atterrir où le prochain club? Ah, je sais pas, peut-être que je vais concurrencer mon ami Jacques Lesker de Footmag sur une chaîne de télévision peut-être, comme commentateur. Voilà, comment vous voyez cette rencontre là aujourd'hui? On sait que c'est un ogre, hein, Crien, c'est quand même une équipe de Challenge League, mais sait-on jamais, la coupe c'est la coupe, on a vu par le passé aussi avec certaines équipes, encore hier, hein, Lugano qui a gagné 1-0 là, contre une première ligue. Comment vous voyez cette rencontre? Alors ce sera très important de bien démarrer le match, de ne pas prendre un but dans les 15 premières minutes pour éviter un score fleuve. Et après une surprise, moi j'ai misé avec le président sur un score de 1-0 pour Fleurier. Je pense que c'est réalisable, il y a des fois des surprises en Coupe de Suisse. Beaucoup de tension, parce que c'est clair que c'est pas un petit événement. Hein. Pour nous, on l'aborde comme un match exceptionnel. Donc on a tout préparé au niveau organisation, au niveau entraînement, on s'est vraiment préparé à 250%. Et puis on voit aujourd'hui, je crois que c'est une journée qui s'annonce vraiment pas trop mal, parce que il fait beau. Le monde commence à arriver, l'organisation a été mise en place et puis on a vraiment tout fait pour que le public ait un match exceptionnel, j'espère. Non seulement je suis actif de Fleurier, mais j'ai foulé ce terrain jusqu'à 14 ans, donc j'étais un junior du club jusqu'en junior C. On est même monté en junior inter à l'époque, après j'ai dû arrêter parce que c'était difficile de faire les deux. J'avais un petit peu plus de talent au hockey, donc je me suis dirigé vers le hockey, mais c'est avec un grand plaisir que je reviens ici et je remercie le FC Fleurier pour son invitation et je la félicite pour le superbe parcours. Voilà, c'est fantastique de retrouver dans le Val-Travers, hein, une équipe qui joue le haut du tableau en championnat, qui est qualifiée encore pour la Coupe Neuchâteloise et qui plus est fait les 16e de finale de Coupe Suisse. Ouais, c'est magnifique, on est une région très sportive. Là, le FC Fleurier, ça fait quelques années qu'ils ont remonté les étages, qu'ils rejouent un magnifique football. L'année passée, ils ont réussi à battre l'Auc pour se qualifier pour cette année, pour cette Coupe de Suisse. Ils ont réussi à passer le premier tour en espérant qu'ils arrivent à battre le prochain adversaire, que ce soit Crayons aujourd'hui, pour avoir peut-être après la possibilité d'accueillir un grand de notre championnat national. Ouais, un grand merci à tous nos interlocuteurs et à Sandy Jeannin qui a joué du côté de Zurich, de Lugano, de Davos ou encore de Gotteron d'ailleurs, où il a terminé sa carrière de joueur. Plus de 160 sélections en équipe nationale. Grand joueur et qui a donné, vous l'avez vu sur les interviews, le coup d'envoi de cette partie. Leur est à l'euphorie, au plaisir de retrouver ce 16e de finale de coupe face à une équipe de Challenge League. Vous l'avez entendu aussi, le coup est jouable si Fleurier joue son meilleur football. Elle pourrait venir troubler un peu cette formation entraînée par Bruno Berner et Nicolas Marunic. Et on se réjouit vraiment
de vous faire vivre, de vous laisser une empreinte dans l'histoire du club de cette rencontre de Coupe de Suisse 16e de finale. Deux, hein, devant le ballon, Nuit et Giraud, c'est finalement Nuit qui va s'élancer, ça passe le mur. Voilà l'intervention du portier, ce ballon qui va être tête dégagée finalement, on est parvenu à le sortir. Très bel arrêt de Pascal Brugger sur ce très bon coup franc signé Billard. De Nuit qui permet à son équipe de se créer la première occasion du match. Grand gabarit, hein, ils sont montés également depuis l'arrière pour ce corner. Un ballon dans l'axe, ouais, c'est but. L'ouverture de la marque, Yann Elvedi qui s'élève plus haut que tout le monde et qui permet à son équipe, le SC Kriens, de prendre l'avantage dans ce match. Une très belle réussite marquée par le défenseur central de la formation du SC Kriens. Les visiteurs qui prennent l'avantage dans ce 16e de finale, on joue depuis 16 minutes. Il va tenter de se retourner, il va y parvenir. Là, c'est bien joué avec ce ballon mis en avant, c'est repoussé par la défense, ça va revenir encore une fois avec le crochet, c'est très bien joué, la frappe, elle est trop croisée. Très belle occasion là pour l'équipe de Fleurier par l'intermédiaire de Steve Grand qui vient frôler le montant, la très très belle occasion d'égalisation pour les locaux. Bon, Fleurier ne doit rien à Kriens, c'est avec cette relance de Descombes, c'est bien joué. Ce ballon mis en avant avec l'accélération de Longchamp qui vient mettre son adversaire sous pression. Il va passer Longchamp avec le contact entre les deux hommes et le pénalty dicté par l'arbitre pour cette faute de Nico Sigrist qui commet la faute de l'avis de l'arbitre. Ça va donner un pénalty aux joueurs de Fleurier qui ont l'opportunité d'égaliser. Arnouille face à l'excellent portier Pascal Brugère, le coup de sifflet de l'arbitre et le but, l'égalisation du FC Fleurier. Il est bien tiré ce pénalty à mi-hauteur. Aucune chance pour Pascal Brugère. Fleurier qui peut revenir à la hauteur de son adversaire. Et on le disait, hein, ce n'est pas immérité. Les Blancs qui ont l'opportunité de repartir. Il y a du soutien en avant. C'est bien joué ce ballon mis sur Descombes qui va accélérer. Descombes avec le centre. Il met au deuxième poteau. C'est sauvé par le défenseur. Le retour de Yann Elvedi là qui harangue ses défenseurs qui étaient pas très bien placés là sur cette rupture neuchâteloise. Grande difficulté avec ces chasubles là parce qu'ils avaient pas de maillot, ils avaient les maillots de la même couleur, ce qui oblige de jouer de cette manière compliquée pour nous. Avec ce ballon mis en avant, le portier qui repousse, oh, qui commet la faute, il va être expulsé. Brugger va être expulsé, incroyable, c'est le carton jaune. Oh, c'est pas possible alors sur une faute comme cela, sortir des 16, venir commettre la faute sur le joueur, c'est carton rouge, monsieur l'arbitre. C'est carton rouge sur une action comme cela. Et ça va peut-être foncer la rencontre. Il a pas osé mettre le rouge, mais le règlement semble assez clair. Hein. Sur une sortie du dernier rempart, toutefois, ça va donner un très très bon coup franc. C'est sans doute Buillard Nuit qui va s'en charger encore une fois, ou alors peut-être Benoît Mercier. C'est Nuit qui s'élance, ça passe le mur encore une fois, c'est repoussé par le portier. Brugère avec le tir finalement de l'arrêt chez l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 1 partout. On a vraiment envie de le dire, hein, le SC Kriens s'est très bien payé dans cette première période parce que c'est Fleurier incontestablement qui a fait le jeu et ça promet pour la seconde mi-temps. Depuis 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Très belle amortie là. C'est très très bien vu avec ce ballon mis en profondeur. On joue à une touche de balle. Le centre, c'est repoussé par Mickaël Vieille. Très bel arrêt du dernier rempart qui a pu repousser ce centre-tir avec un ballon mis en profondeur. C'est beaucoup trop long. Et ça va permettre au portier Pascal Brugère de s'en emparer, de se cuire et de relancer rapidement. Ce ballon mis sur le côté, c'est remis en arrière par Prost pour Mickaël Vieille. Avec une balle dégagée de la tête. Attention à cette récupération d'Admir. C'est Ferragic qui va marquer. Ouais, c'est 2-1 sur ce ballon dégagé par Vieille qui revient très très vite. Admir, c'est Ferragic qui peut marquer le 2-1 pour Kriens. Ouais, c'est cruel hein, parce qu'ils ont deux grosses occasions et ce sont deux une très bonne occasion sur balle arrêtée. On est à la moitié de cette seconde mi-temps. Il est bien brossé ce ballon avec cette déviation et ce cuir qui vient mourir à côté du but. Benoît Mercier, quelle opportunité là pour les Neuchâtelois d'égaliser. Attention avec ce score de 2 en faveur des Lucernois là, on s'expose bien évidemment à des contres, c'est ce qui est le cas maintenant avec ce ballon mis en profondeur dans l'axe, le tir à côté.
le tir à côté. Quelle occasion manquée là par l'équipe de Kriens. J'ai presque envie de parler de balle du chaos dans cette 29e minute avec ce qui est mis en avant sur Buyard Nuit, intercepté par les Lucernois encore une fois. Petit pont, c'est bien fait, ballon mis en avant. On essaye de jouer rapidement là, côté visiteur, avec ce ballon mis flanc gauche. L'accélération avec l'intervention fautive, alors clairement fautive là sur Selmani. Edmond Selmani accroché, comme tout à l'heure, la montée d'Elvedi, hein, le buteur de la tête sur corner. Là, c'est un mini corner avec un ballon mis au premier poteau. Et ça va passer par-dessus la cage. Ouais, c'était une belle occasion. Et cette fois, c'est Daniel Fanger, le capitaine, qui s'est montré dangereux. Et le buteur qui va céder sa place. Bravo à Buyard Nuit qui a permis à son équipe d'égaliser dans la partie qui est remplacée pour le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ballon qui va arriver sur un Lucernois. Très très bon travail là pour venir intercepter ce ballon de nouvelle entrée. Ramadani, la faute, estime l'arbitre qui va mettre un carton jaune au numéro 10 de Fleurier pour ce contact avec son adversaire lucernois. C'est Robin Bertin qui fait l'effort avec la sortie du portier, un dégagement, ce long ballon mis en avant avec l'interception, c'est détourné, tir à côté. Quelle occasion pour Steve Gros sur ce dégagement de Mickaël Vieille, la balle d'égalisation là pour les joueurs de Fleurier avec un contact et un coup franc, nouveau carton. Et cette fois, ce carton est pour Nado, Timothée Nado, là, qui est averti pour ce contact. Ah, ils partaient en rupture, les Lucernois. Moins de 9 minutes pour aller arracher la prolongation avec l'interception de ce ballon par les joueurs de Fleurier, encore une fois, qui repartent avec un cuir mis en avant. Ça a été dégagé après cette tentative de passe de Prost avec un centre tendu. Point de pénalty! La reprise de la tête de Julien Descombes. Tout seul au point de pénalty qui frappe par-dessus la cage. Quelle occasion d'égalisation pour les Neuchâtelois là, dans cette 37e minute. Ah, on aura peut-être des regrets au terme de ce match parce qu'en termes d'action, eh bien, les joueurs de Fleurier en ont eu plus que leur adversaire mais ont été moins concrétisateurs. C'est moi qui viennent mettre de la pression sur leur adversaire. Cette relance avec ce cuir maintenant perdu par Ramadani. Ça donne l'opportunité à Kriens de repartir à l'offensive avec Giannet. Il est tout seul, Giannet. Et il va marquer le 3 pour l'équipe de Kriens à moins de 7 minutes de la fin du match. J'ai pas envie encore de dire que la messe est dite là, mais avec ce but marqué par le remplaçant Salé, Giannet, bien l'équipe de Kriens, ça fait un bon bout de chemin vers les huitièmes de finale. Très, très bon coup franc là pour les joueurs de l'entraîneur Bruno Berner. 3 en leur faveur, encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match. Et c'est une opportunité d'enfoncer définitivement le clou. On est à une vingtaine de mètres du but de Vieille avec un ballon qui passe le mur mais qui est bien capté finalement par le portier neuchâtelois. Ce troisième but qui a fait beaucoup de mal au Neuchâtelois. On repart côté Lucernois avec ce ballon mis en avant, la sortie du portier et l'occasion d'aller marquer le quatrième là pour les visiteurs qui vont conclure. Diogo Rafael Fernandez, c'est 4-1 dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Ouais, ça sert à rien de s'énerver, hein, la messe était dite déjà dans ce match. Cette sortie du portier, on a tout tenté hein, du côté de Fleurier dans les derniers instants de cette partie. Et ce quatrième but, l'homme qui a la balle dans les mains, là, Julien Descombes, qui a eu cette occasion d'égalisation de la tête aussi. Hein, il fait partie des joueurs qui auraient pu relancer complètement l'équipe sans leur jeter la pierre, bien évidemment, parce que c'est facile à dire lorsqu'on est du côté du micro, moins facile lorsqu'on est sur le terrain et qu'on ne sait pas si on a quelqu'un dans le dos prêt à venir au contact. Mais on gardera vraiment un sensationnel souvenir de cette aventure en Coupe de Suisse de l'équipe de Fleurier qui a fait un magnifique parcours et qui n'en a peut-être pas fini puisque ça se passe bien en championnat. Victoire de Kriens sur la marque de 4-1.
très jolie rencontre aujourd'hui, un succès de Creoles qui va jouer les huitièmes de finale. On dressera bien évidemment un bilan très positif hein, du match des Neuchâtelois aujourd'hui, mais ce n'est pas notre rôle directement, même si on peut vous donner quelques indications. Ce sont les artisans de ce match, les joueurs qui ont évolué aujourd'hui, qui vont s'exprimer sur ce succès des Lucernois en terre neuchâteloise. Ouais, pour pouvoir battre une équipe de challenging, il aurait fallu un petit peu plus de fraîcheur physique. Comme je disais, on est des amateurs, on s'entraîne deux à trois fois par semaine, ils s'entraînent tous les jours, nous il faut qu'on aligne, donc c'était compliqué. On avait préparé un plan, tactiquement c'était presque parfait en première mi-temps, je dis, et c'est là que je suis content de mes joueurs, parce qu'ils ont... Ils ont montré, parce que comme je dis, on n'est quand même qu'une deuxième ligue, hein, on n'est pas non plus ni une première ligue, ni rien du tout. On a montré qu'on avait des exigences tactiques et qu'on était capable, nous, une deuxième ligue, de mettre en place quelque chose face à une équipe de Challenge League. Et cette première mi-temps nous avait laissé beaucoup d'espoir en étant toujours réaliste. On savait que ça serait compliqué, on savait qu'on avait fait très dur en revenant à 1-1, parce qu'il faut des ressources morales. Quand on est mené 1-0 contre une équipe professionnelle, ben, généralement on craque derrière, on prend le deuxième et nous on a su réagir, rester en place. On avait décidé de leur laisser le ballon le premier quart d'heure, parce que si on allait les chercher haut, on aurait eu des problèmes sur 90 minutes. Donc en leur laissant le ballon, on a quand même eu des problèmes sur la fin de match. Mais c'était bien, les joueurs étaient concentrés dans les déplacements et les replacements qu'on avait demandés. Donc c'est une frustration plus qu'une déception, parce que pour pouvoir les battre, il aurait fallu une seule chose, c'est qu'on soit devant au score. Forcément déçu. Voilà, on pensait pas prendre un but aussi vite, on l'a pris et là on s'attendait à voir comment on allait réagir. On a très bien réagi après, on a vu qu'on était dans le match. On a eu les occasions, je pense début, deuxième mi-temps, à un moment c'est quitte ou double, voilà, après 2-1 pour eux. Et on a vraiment deux, trois occasions franches, nous on les met pas et après ça joue sur des détails de face à face. Et voilà quoi, après le dernier but anecdotique sur un contre dernière seconde. Mais en effet, quand on voit les 60 premières minutes, je pense qu'on aurait pu essayer un petit truc en plus. Rien, t'as pas joué digne d'une équipe de Challenge League aujourd'hui. On a vu hein, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de... Il y avait quoi, quelque chose à faire aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire, mais on sait comment ça se passe. Hein. Les professionnels viennent ici, il y a la route, la motivation est difficile à trouver pour eux. Et voilà, ils ont pas fait les petites erreurs que nous on a faites. Et voilà, eux, ils ont fini, nous on n'a pas fini. C'est peut-être là, c'est les petits détails qui font qu'il y a des professionnels et des amateurs aussi. Mais on travaille, je pense que ça fait 3 ans maintenant qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau du club, au niveau des jeunes, au niveau de l'équipe première, la 2, maintenant la 3. Vraiment, on monte en puissance et voilà, comme on l'a montré cette année, c'est bien, ça fait parler du club. Et voilà, on a montré que maintenant on avait une belle équipe, donc on va se focaliser sur Coupe de Neuchâtel et championnat maintenant.